le très étrange recrutement de Guedioura par le CRB Wizard. En effet, le milieu de terrain défensif Adlen Guedioura n'a pas été compétitif depuis un certain temps, et il est arrivé au club sans l'aval de l'entraîneur Sven Vandenbroek. Le recrutement de Guedioura au sein du club algérois est pour le moins étrange. Initialement, il avait été l'intermédiaire dans les tentatives de placement de Mboli, d'abord au MC Alger, puis au CRB Wizdad. L'ancien joueur d'Al Wakra SC, dont le dernier passage remonte à janvier dernier, a finalement trouvé sa place en tant que joueur. Il a signé un contrat de deux saisons, pour un montant de 300 millions de centimes par mois, soit près de 15 000 euros mensuels, rapportent nos confrères de la Gazette du Fennec. Ce recrutement de Guedioura par le CRB soulève de nombreuses interrogations quant à sa pertinence sur le plan sportif. Tout d'abord, le joueur est à l'arrêt depuis un certain temps. Il semble donc difficile de justifier cette signature au sein d'une équipe qui vise régulièrement les sommets du football algérien. De plus, l'absence de l'aval de l'entraîneur dans cette transaction ajoute encore de la confusion. Enfin, le montant du salaire accordé à Alain Guedioura, bien que moins élevé que celui de Mboli, reste significatif pour un joueur qui semble être en fin de carrière. Cette décision financière peut être perçue comme un investissement risqué pour le club, d'autant plus que le marché des transferts en Algérie est particulièrement instable.